things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. On fait une superbe entame de match, on sent qu'on l'a bien préparé et qu'on est bien rentré dans le match, qu'on est prêt, qu'on les a pas pris à la légère. On a 3-4 très grosses occasions assez rapidement qu'on n'arrive pas à convertir et de là ils prennent un peu confiance, ils commencent à avoir un peu des ballons aussi d'attaque et où ils deviennent un peu plus dangereux. Mais on sent qu'on est bien dans le match, qu'on maîtrise ce match et qu'il va se passer quelque chose, qu'on peut aller chercher cette victoire. Et il y a un fait de jeu, le carton rouge d'Abdel, qui nous fait perdre un peu le fil, parce que de là on commence peut-être un peu plus à s'énerver, on subit un peu plus, ceux qui prennent confiance, les supporters qui poussent un peu plus. Et le match devient très dur en fait, d'un match où on semblait un peu maîtriser les ébats. Et d'un coup, on se retrouve à être dominé, à subir les attaques. Et puis, ils finissent par marquer, ils finissent par mettre le premier, puis le deuxième. Donc, ça devient dur. Ouais. Et c'est un mal pour un bien, ça doit nous servir de leçon. On a pris beaucoup, beaucoup de cartons jusqu'à présent. À chaque fois, on se tire une balle dans le pied parce que c'est pas évident de gagner des matchs à 10 et déjà à 11, donc encore moins à 10. Donc ça doit nous servir de leçon. Maintenant, les autres ont perdu devant, donc c'est un bien, c'est un mal. Voilà, on reste premier ex aequo. Le problème, c'est que maintenant, le championnat est très, très, très serré. On voit très bien qu'en gagnant un match, on reste en haut. On perd un match, on est vite 4e, 5e. Donc à nous de tout faire pour rester là-haut. Un très gros match, il faut s'attendre à un très gros match, c'est une grosse équipe, c'est le champion en titre. Je crois que sur les 10 dernières années, en tout cas moi, sur mes 10 dernières années ici au Luxembourg, ils ont dû faire l'Europe à chaque fois. Je pense à chaque fois, les 10 fois. Voilà, c'est un club qui est toujours européen, c'est un club qui est toujours là. Chaque année, on pense qu'ils vont perdre des joueurs ou ils perdent des joueurs et on pense qu'ils vont être un peu moins bons. Une année, ils perdent leur président, d'un coup, ils n'ont plus de moyens. Mais chaque année, ils sont là. Chaque année, c'est une très très grosse équipe. Chaque année, ils se battent pour les places européennes. Donc, ce sera un très 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 gros match, à nous de renouer avec la victoire. Je suis plutôt satisfait de mon début de saison. J'ai eu des très bons premiers mois. Ensuite, ce qui est assez frustrant en fait, c'est qu'on a pris les défaites qu'on a eues, on a pris beaucoup de buts sur ces défaites. C'est pas des défaites à 1-0, c'est souvent quand on a perdu, on a souvent explosé. Ça, c'est assez pénible pour un gardien à choisir. Je préfère perdre 1-0, espérant j'en prends 3. Tu te lances, j'en prends 4. Pétant, j'en prends 4. Là, j'en prends 3. C'est des grosses défaites. Et le coach m'avait prévenu en début d'année, j'en avais parlé avec Mamad, dans sa façon de voir le foot, de presser, de sa façon de jouer. Il m'avait dit qu'on serait soumis à plus d'occasions derrière. Et c'est frustrant, après on l'accepte parce qu'on a gagné les matchs et c'est top, mais on passe d'une saison où on est meilleure défense du pays à une défense là où je crois on est 7e ou 8e défense du championnat. Donc voilà, après si on est 7e défense et qu'à la fin on est champion, je serais trop content. Hein. Moi je dis toujours, le poste gardien c'est un sport individuel dans un sport collectif. On est totalement à part. Je pourrais pas être joueur, non pas physiquement, mais mentalement, parce qu'à un moment donné, je craquerais sur certaines choses. J'ai pas le caractère pour être joueur ou la patience que les joueurs peuvent avoir. Et je le vois des fois quand je fais des conservations avec eux, je sens que je vais vite m'énerver. Et voilà, nous, on a ce poste un peu à part, où on a un caractère un peu à part. On a ce besoin de se retrouver entre nous, de créer notre complicité. D'échanger sur le poste, sur les différents buts qu'on a vus dans le week-end, que ce soit dans notre championnat ou sur les matchs télévisés. Ouais, c'est complètement à part. Ouais, je pense que t'en as été témoin, le coach peut en témoigner. Il est arrivé en tant que tête de série numéro 2, il a vite compris que c'était allait être compliqué.
Ouais, ping-pong, injouable, y'a pas de soucis pour l'équipe, ils savent, y'a personne qui a voulu parier avec moi. Ping-pong, y'a tête de série numéro 1, c'est moi.